Yo les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ma compagnie. Mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Toi, tu le sais, Koro-sensei? Aujourd'hui, on va jouer à FNAF ensemble. Let's go! Yo les amis, on va jouer à FNAF ensemble. À FNAF 1, je suis à la nuit 5. On va essayer de survivre ensemble. On sent déjà la défaite à plein nez, mais c'est pas grave. C'est pas grave, l'espoir fait vivre. Ok, c'est parti pour commencer la nuit. Il est juste minuit. Oh mais tiens, il y a le téléphone qui sonne. Est-ce que ça serait la meuf dans The Ring pour nous annoncer qu'on n'a plus que 7 jours à vivre? On va voir. Donc quand est-ce que le téléphone va répondre? Ok, on va raccrocher, on va faire comme si on n'avait rien entendu. Pas du tout flippant le truc. Oh mais tiens, mais qui voilà, notre ami Foxy, mais comment tu vas? La famille, les amis, ça va? Bon, pour l'instant, nous avons rien à signaler. Je pense qu'on peut survivre. Regardez-moi, pour l'instant, on va regarder ce qu'il y a autour de nous. Wow, un super poster Celebrate! On notera mon accent en anglais. On va cliquer sur le nez Teddy. Voilà, on trouve ça super drôle. Oh, mais regardez, il y a aussi des dessins accrochés au mur. Pas du tout creepy, les dessins. Bon, oh, mais tiens, Foxy, tu vas essayer de bouger? Petit garrement! Tu nous auras pas. Ah mais regardez, qui voilà ici? Il y a Freddy. Ok, donc vous êtes... J'ai lâché mon téléphone. Ok, on rigole plus. C'était l'échauffement. Je tiens mon téléphone à l'envers, mais à part ça, tout va bien. J'avais pas vu le truc venir, en fait. C'est pas ma faute. Et c'est parti pour le round 2! Et c'est parti pour le round 2! Non mais c'était l'échauffement! Tout le monde le sait! Je vais juste mordre comme une merde, mais bon, c'est pas grave. Allez, cette fois on va survivre! Tentative numéro 2! Ça aussi c'est. Ils sortent de nulle part! Ils sont partout! Déjà, à quel moment on est ici? Pourquoi on a choisi comme boulot de nuit d'être gardien? On peut pas travailler comme tout le monde chez McDo? Venez comme vous êtes. Bah là, la seule chose qu'on a, c'est des animatroniques qui veulent notre mort. Pourquoi d'ailleurs? Par contre, je suis hyper enrhumée. Attendez, je vais faire un truc hyper, hyper pas glamour. Voilà. Voyons voir. C'est beaucoup trop calme. Beaucoup trop calme. Few moments later. Si on chantait une petite chanson ensemble. Frère Jacques, est-ce que ça va les endormir? Je ne sais pas, peut-être. Hein. Il est minuit, j'ai l'impression que le temps il passe pas du tout vite. Est-ce qu'on pourrait au moins passer à l'heure du mat? Survivre une heure, c'est trop demandé. Mon frère, moi je serais dans ce genre de jeu, mais je serais morte au bout d'une minute en fait. Je serais incapable de survivre plus longtemps. Oh, mais il y a Foxy qui nous regarde. On fait un eye contact avec lui. Peut-être qu'on va le faire tomber amoureux. Et on va vivre une histoire de love jusqu'à la fin de nos jours. On aura des petits Foxy. Oh, mais regardez qui voilà. Mais c'est Freddy. Salut Freddy, comment tu vas? Il nous regarde aussi. Ils aiment bien nous lancer. Ah, putain. Je te vois, Chica. Cette fois, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Bon, mais oh. C'est qui le chef ici? C'est nous. Je vois pas où elle est. Pourquoi je sens rien, un truc qui va m'éclater à la gueule? Mais parce que c'est sûr à 100% avec ce jeu. Vous voulez pas qu'on joue plutôt à My Little Pony? Non? Ok, d'accord. Moi j'aime bien My Little Pony. C'est tout mignon. Ok, on a perdu Freddy. C'est un bon jour pour mourir. Ou pas en fait. Est-ce que je dois faire mon test? Faisons notre testament. Est-ce qu'il y a quelque chose par là? Il y a eu un gros bug. Du coup, vous avez pas dû voir, mais il y a Foxy qui s'était ramené, qui avait couru. Là, on lui a mis. On lui a fermé la porte en pleine gueule. C'était satisfaisant. Bon, il est 2h du mat et nous sommes toujours en vie. Félicitations à nous. Dessert-nous un prix. Oh bordel, il s'est échappé. Ah. Oh non, non! Est-ce que vous
vous êtes prêts à vous prendre un screamer dans la gueule. Allez, vas-y, on est prêts. Ah non, c'est pas Chica, c'est notre ami Freddy. Salut Freddy. On est vraiment nuls à ce jeu, hein. Day 2. Et c'est parti pour le round 3. On va quand même réussir à gagner une partie. Bon, c'est la dernière partie. Si on n'y arrive pas, eh ben on jouera une prochaine fois. Allez, cette fois, je vais réussir à survivre. Je suis vraiment nul. Mais ça, tout le monde le savait déjà. Pour l'instant, c'est calme. Le suspense est à son comble. On sait tous comment ça va se finir. Je vais me faire trucider par un animatronique. Mais bon, l'espoir fait vivre. C'est avec l'espoir que nous bâtissons un monde. Quoi? Mais lui, il est déjà comme ça? Du calme. Non mais oh, Foxy, tu prends jamais de vacances? Je pense qu'il faut lui donner des vacances, c'est pas possible. Il est toujours là. Je sais pas, détends-toi. Pars, je sais pas, aux îles Bahamas, mais quelque chose comme ça. Mais laisse-nous tranquille. Je veux pas mourir déjà. Je suis tellement nulle. Est-ce que quelqu'un peut, en commentaire, donner le nombre de fois où je dis ce mot? Oh, mais Foxy, vas-y, on fait un nice contact. Toi et moi pour toujours. Ok, pour l'instant, je vois rien. Oh, mais tiens, il y en a un par ici. On garde son calme. On ne panique pas. Quand je panique, je mange du saucisson. Vous avez la référence? J'espère que vous avez la référence. Bon, pour l'instant, RR. Rien à signaler. Allez, on se concentre. On va réussir. Après tout, c'est pas si compliqué que ça. Si, ça lève. Est-ce que je vais réussir mon coup? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va venir. Oh bordel, il est là. Oh, regardez-le courir là en mode imbécile. Va. T'es pas Usain Bolt, tu vas pas aussi vite que lui. Ça sera le premier départ qui sera le bon Usain Bolt. C'est bon, on s'est débarrassé de Foxy. Bon débarras, bitch. On va faire en mode comme de réexploratrice. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Oh mince. 6.5 hours late. Oh mais tiens, revoilà Freddy. Tu te calmes Freddy. La dernière fois tu m'as tué mais tu ne mourras pas cette fois. C'est totalement faux. Non quoi, il a déjà disparu. Mais voyons, quelle est cette chose? Il se déplace super vite. T'aurais aimé ou pas, bordel? Ce jeu veut ma mort. Il veut me tuer. Je vais mourir. Je connaîtrais même pas la fin de One Piece. Oh, là, si tu regardes cette vidéo... Hop, non, c'est ça fait. Ok, je suis vraiment nulle à ce jeu. Regardez. Hop là. On peut dire que je suis nulle. Ah, FNAF. En même temps, c'est la nuit 5, donc on se pardonne. Mais en même temps, là, je fais rien pour jouer bien. C'est pas de ma faute. J'arrive pas à me concentrer. Excuse numéro 1. Ok, on va rester comme ça. En même temps, j'ai 60% de batterie. Hein. On s'attend pas vraiment à grand chose. Les gens, ils doivent se dire derrière leurs écrans. Mais t'es nul! Je le sais. Ce n'est pas une fatalité. Ok. Oh, mais regardez comment Chica me regarde. C'est tout mignon. Elle me regarde avec des yeux vénères. Est-ce que ça serait parce que j'ai oublié ton cadeau de Saint-Valentin? Elle a pas l'air de trop m'apprécier. Tu veux un KFC? Ah non, j'ai oublié. C'est un poulet. Elle doit pas aimer le KFC. À moins qu'elle est cannibale. T'es le cannibale. Journal de bord. Il est 2h du mat et j'ai plus que 52% de batterie. Je ne sais pas si je vais réussir à survivre. Maman m'a toujours dit de... Ah bordel, non, il y a l'autre. Je ferme la porte. Il y a Freddy. Maman m'a dit de ne jamais ouvrir aux inconnus. Maintenant, je comprends ce qu'elle voulait dire. Et si on jouait tous à un jeu? On fait une pause et on va boire une bière au bar. Non? Non, vous voulez pas? Genre, on change les... Ah, il a disparu. C'est bon. Ah, je panique. La vie, c'est pas facile. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat.
On ne sait jamais sur quoi on va tomber. On ne sait jamais ce qu'on va trouver dedans. Enfin, c'est du chocolat, du coup, mais t'as capté. Je vais mourir. Mais il est 3h du mat. Et c'est déjà beau d'avoir survécu jusqu'à 3h du mat. Ah. Je vais pleurer. Appelez le SAMU, je vais faire un arrêt cardiaque. Oh oui, elle est encore là. Elle est encore là, me regarde avec ses grands yeux. Oh mais non, et t'as l'autre là qui s'est échappé. Et hop, voilà, je suis battée de 30% à 21%. On se croirait qu'on aurait... Bah on a un iPhone, on perd autant d'énergie que voilà. Je vais mourir, j'ai 18%. Est-ce qu'on essaye de mourir de façon stylée? On ouvre les portes. Personne ne nous fera mettre un pied à terre. Je raconte vraiment de la merde. Maman, si tu passes par là. Je suis vraiment nulle aux jeux vidéo. Je pense que j'aurais dû plus jouer. Ah, au lieu de travailler mon français. Et mes mathématiques et mon histoire. Regarde ce que ça donne maintenant. J'arrive même pas à survivre jusqu'à 3h du mat. Il me reste 10%. Quelqu'un a une batterie? Non, personne n'a une batterie. C'est dommage qu'on ne peut pas recharger. Ça, c'est parce qu'il faut toujours avoir une batterie externe avec soi. Désolée, j'ai eu peur. J'ai vu ma mère par la fenêtre. Il nous reste 6%. 5%. Est-ce qu'on fait le découpe ensemble? Sayonara. Kodo-sensei. Et là, on se lance la musique tragique. Disons au revoir à moi-même. Cette personne qui a essayé je ne sais pas combien de fois de survivre à FNAF, elle restera à jamais dans nos mémoires. A few moments later. Sauf que moi... Oh non! Regardez, ça s'allume plus. On ne peut plus allumer la lumière. Non, ça marche pas non plus. Bon, techniquement, on va mourir. Il nous reste 2%. On n'arrive plus à allumer. On attend la mort, c'est-à-dire on reste là. On va admirer le paysage en attendant d'attendre la mort. Voilà. C'est triste. Et le joueur français est mort à 4h du matin. Il ne restait plus que 2h à survivre. Oh bah les lumières se sont éteintes. Il va faire tout noir. Ça va être tout noir. On va voir quelque chose. Mais j'avais même pas vu qu'il y avait des toiles d'araignée. Ah bah il y en a des toiles d'araignée ici. Va falloir nettoyer. Ok, il se passe rien pour l'instant. Peut-être qu'ils ont décidé de me laisser. Oh non, ils n'ont pas décidé de me servir. Go Freddy. Il clignote. C'est mignon, hein. On va se faire tuer. Hop là. Tiens, il fait tout noir maintenant, on n'a plus du tout de lumière. Attention, le screamer... Ah, voilà, le screamer est arrivé. Dame ! Bon, voilà, nous sommes morts à FNAF, à la nuit 5. Nous n'avons pas réussi à survivre. Mais peut-être une prochaine fois, dans une prochaine vidéo. Je ne sais même plus parler français. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je suis morte. Il faut vraiment que je m'améliore. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si je suis vraiment une grosse merde aux jeux vidéo. Et à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.